Voilà. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout, très chers abonnés. Bienvenue sur votre émission et puis na chaîne Nabino Bolanda Kamingi. Bon, continuez pour s'abonner, pour liker, pour partager. Et que ça, la biseau vraiment à trop bien, très chers abonnés. Na pesi mbote na ngai na mama Pauline Lumumba, oiseau na biseau depuis quelque part. Et puis na balandignon, surtout il y a RDC Monde. Vous allez kaibélé, excusez-moi, vous allez kaibélé à Rolanda Bissot. Vous continuez à s'abonner, vous continuez à partager, vous continuez, vous continuez, vous continuez. Très chers abonnés, Tokomi, na niveau, il y a ce que plusieurs Congolais, les lots, comme il y a moyen, surtout, il y a quoi, balanini, qu'on salir le match du président de la République, à part salir le match du président de la République, comme il peut qu'on lui a moyen, surtout. Comment est-ce qu'ils vont coincer Tshisekedi? Mais Tshisekedi a allé à Nzambe. Le président de la République a allé à Nzambe. Alors, Bandekodanga, Nazana tweet, Moko Oewapi, sur un appel téléphonique, Oewapi Bibika Pinga, Basolina Jakindala. Makambouya, somme, et Bibina 4 appels téléphoniques, wana, place Oewapi dans le bité, il faut n'aille qu'on recadrer, Bangoumouke. Oui. Je vais essayer de le recadrer et puis je vais essayer de vous informer qu'est-ce qui se passe réellement dans Aner Place Yojakinda Lazali. Parce que beaucoup de personnes bah, au courant, bah, éviter qu'est-ce qui se passe réellement. Ni n'est-ce les cas. De l'autre côté, peut-être qui couni tout là. Et puis, tant qu'on solo la lissou sous bande konanga, marambou constat moutamba sali. Et puis, si panique, naba M23, place au wapi baromi koloba ote. À libérer ma criminelle pour bailleur attaquer Joseph Kabila Kabange. Et ça, pratiquement impossible. Il y a aussi actualité, nous de retraité ce qui nous a coupé, ça m'a parce que TV Moko Batouébile. Et ça, attaque donc préparé contre le Rwanda. Match à ma bébé, ma Rwanda place à Zali à Kouka qui pèle kese. Rwanda place à Zali, à Komuna Lokola Neti, Makamoude, Bani Koubeba. Donc, Paul Kagame, en ce moment, a donc perdu de patience. A moni, déjà, qu'il y a un Arabe occidentaux, déjà, Bati Kingai. Les États-Unis, Bati Kingai. Tu sais qu'il y a eu Makamouna Maboko. On va en parler. Namoni, Nekomoko a publié. Yves Bouya a publié. Na kata ma solo ya Jakinda la na Bibika Pinga na téléphone. Jakinda la lobi ke non. Ndenge na zabwe na loko kaku ko vanda te. Ndenge na zabwe na zaka ya ko telema. Ba violenga yu plusieurs fois na ane. Bozo yo ke. Jakinda la. Affirme avoir été violé à l'année. J'ai du mal à m'asseoir, a-t-il dit lors d'un entretien téléphonique avec Bibi Kapinga. Bibi Kapinga, dans la qui m'a dit, il a sali publication, il y a un set qui coune à Koufi. A propager en haut tellement dans les réseaux de mafieux, a propager en haut partout, titi. Mais le jour où cette Kikou Nabima qui t'aumonie, j'espère qu'elle a supprimé Tituana. Donc, c'est un réseau de mafieux, un réseau de gens qui cherchent à tout prix à salir l'image du président de la République, à salir l'image du gouvernement congolais. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que les gouvernements congolais, la justice congolaise, n'arrive pas à interpeller Bibi Kapinga par rapport à dire naïe, par rapport à Marambo Nyosuya Koloba contre les régimes en place. Je me demande si réellement justice au Tosa Nangona Mbokanabis, au Biso Tozo Tombola, au Biso Tozo Kobete la Moutema, si réellement cette justice agit réellement Nabatouana Nyosotu. Parce que moi je ne peux pas croire. Si c'est vrai. Alors, tous les agents, il y a année, ils ont mérité à la Ozari. Comment est-ce qu'on peut violer une personne
oh wapi babombie par rapport ya ba effet ya salaki par rapport à makambo lobaki mais il a bah après avoir kokanga et bino bozu bo violer ça n'a pas de sens. Là c'est salir l'image du président de la République. Et puis deuxièmement, comment est-ce que les agents de l'ANER ont pu laisser les téléphones à Jakinda la Asolana Bibi Kapinga? Moi si n'a été mais Bibi Kapinga. Une dame qui propage des fausses informations sur nos réseaux sociaux. Si réellement cette conversation avait eu lieu, comment est-ce que les agents de l'ANER ont pu laisser Bibi Kapinga, laisser Jakinda la parler avec Bibi Kapinga? C'est bizarre. Même si cet effet est vrai, et le Kwane le Kézali à Solo, pourquoi est-ce qu'on a pu laisser cette liberté? Je me pose la question, est-ce que le service de l'ANER Bazala qui en a été? Sécurité, Zala Kiwanate. Moi, je pense que c'est ici, d'après mes analyses, c'est une fausse alerte, fausse information. Pourquoi j'ai dit ça? Écoutez, au moment de la minute, tous les coups sont permis. Ils ont la capacité de salir l'image du président de la République, même le gouvernement congolais. Ils vont le propager partout dans le monde entier que non tête c'est qu'elle dit au moni régime naïe bah comme qu'on soit opposant bah comme qu'on violer bah au moni image bah comme ça la communauté internationale au moni image bah comme bah te cambo cannabis et pas la communauté internationale que non les régimes en place collaborent avec tous ces individus là au wapi ce qui bah kangio bah mieux bah qu'on viole na minute on a quoi ça bino. Premièrement, vous allez voir Martin Fayulu a republié un goût. Moïse Katumbi a republié un goût. Toute partie de l'opposition va republier un goût. Va que le gouvernement est Tshisekedi, va comme nous violer Bissou. Et puis, va que le banini, même cette qui coune, il peut, c'est qu'il peut, faut que la paix, cette qui coune, parce que peut-être un souper, cette qui coune, il peut, il peut violer qui est. Vous réfléchissez un peu. Moi, je pense que Bibi Kapinga est une personne. Il mérite d'être interpellé parce qu'il propage des fausses informations contre les régimes en place. Malgré tout, Kabila Zalaki, na moi dictature mouké, mais moi dictature na yowana, ibana ki moi mouké, ko sécuriser mouké. Parce que dans l'île, comme les politiciens, les opposants congolais, nous risquons de voir le loto lobby moïskizé, nga bande kounanga, bako kopimlié, peo, Tshisekedi déshabillé. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment est-ce que la liberté d'expression, le lot, est comme le rôle à libertinage. Tout le monde est, comment je peux dire, tout le monde est capable de publier des informations. Oh ouais, parce qu'ils ont maîtrisé tes netiboy. Bah quand le bagarre était, nani, Jakinda a été violé. Combien de gens ont passé par l'année? Bah kanga bango bah vendi ça bango bah tiens et belé. Ils n'ont jamais été violés. Car on est Jakinda là. C'est qu'ils ont pédé. C'est qu'ils ont rien pédé. Peut-être même sous deux baratés, peut-être même sous rien pédé. Et bon alors? Parce qu'il y a beaucoup de gens. Des opposants ou soit de bah normal oh wapi bah les cas na ba aner wana si le lo ebele bah les carapé na ba aner bah ou melipé bah ça lipé tant ebele to tikala koyo ka soupçon mon côté oh bah violenga oh bah salinga bo et salamate mais le lo avec Jakinda là pourquoi seulement quand il y a un opposant qui est arrêté, Bibi Kapinga prend le devant de publier des informations fausses, des informations qui ne valent pas, qui ne cadrent pas avec Eloko Bissoto Omona. Moi, je pense que non, Constant Mutamba, ministre de la Justice, moi, je pense que vous devez interpeller Madame Bibi Kapinga. Oui, vous devez l'interpeller. Parce que comment est-ce possible? Il peut publier ce genre d'informations alors que, première chose, si réellement, bon, tout le monde dit non, si réellement, première chose, la publication de Madame Bibi Kapinga, premièrement, ils ont sali l'image, il y a année.
dans le monde entier Moubimba. Deuxièmement, ils ont sali l'image du président de la République. Troisièmement, ils ont sali l'image du mot cannabis. Parce que au moins dans le genre de publication, wana, nous allons voir sur TV5 Balobe Liango. TV5 est mondial. Ils sont international. Donc ceux qui déjà est commis à TV5, ça veut dire que dans le monde entier, bakolo bakano te, c'est que na mboka wana, ba sala ka batunde boyi. C'est que na mboka. Moi je pense que non, vous devez interpeller Bibi Kapinga. Oui, il faut interpeller Bibi Kapinga. Et puis ceux qui réellement Jacinda l'avait parlé à Bibi Kapinga na ba loko wana, il faut dissoudre aussi Jacinda. Oui. Parce qu'on ne peut pas aller marcher avec les gens. Tout ça, c'est la politique y a l'oukouta. Politique y a qu'au salir image du président de la République. Ce n'est pas bon. Eh, ce n'est pas bon. Le politicien, y a l'élo, bakomi ko lukandengi nyo sou comment ils vont déstabiliser la pile de Mukati Diko. Écoutez, quelque chose se prépare dans l'Ituri où les FARDC ont neutralisé plus de 39 rebelles ougandais RDF et d'autres capturés, ces rebelles ADF, sont en connivence avec le terroriste rwandais M23 RDF AFC. L'aviation militaire aérienne de FARDC est en alerte maximale en Ituri. Bande Konanga et Zande Yako Yin dans la minute. Voici l'information. L'intention que vous avez dit, ils ont des hélicos de chasse, ils ont des hélicos, ils ont des hélicos, ils ont des hélicos. Dans la minute, on a Ituri. Il y a plus de 39 rebelles ougandaises. Parce que place au Wapi, on est ce qu'on a rouvan na benan na masolo langa. Parce que Jacinda là, ils ont masolo ya ba distrait. Ba ta distraction. Boyoka. Monsieur le président de la République, avant-hier, j'avais analysé une information au Wapi que le général Christian Tshiwewe azo kine na Uganda. En d'autres termes, l'Union de l'Observation de la Bissau sous coopération avec l'Ouganda. Alors aujourd'hui, on a arrêté 39 rebelles ougandaises. Moi, je me pose la question, pourquoi est-ce que la RDC ne s'aligne pas directement avec la Chine et la Russie? Pourquoi encore créer des coopérations minimales? Oh, ouais, plutôt qu'on a combien de coopérations minimales avec l'Ouganda, un pays complice avec les M23, un pays complice avec cette agression de l'Est de la République. Monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatshi Béton, on n'a pas besoin de voir les Congo partir entre les mains des étrangers. On n'a pas besoin de voir les Congo envahis par des Rwandais, par des Ougandais. Parce que l'Ouganda n'a jamais été sincère. Prévenez, voici les 39 rebelles ougandais sur le sol congolais en connivence avec le M23 AFC RDF. Quel genre de preuve tu as qu'on soit sous ta relation directe avec l'Ouganda? Moi je me pose la question. Quel genre de preuve? Oh le leçon de preuve, voilà, vraiment tu as une décision ma casse tu as ta relation. Monsieur le président de la République, vous ne voyez pas que non? Si nous renouvelons notre coopération, notre confiance envers l'Ouganda, ça veut dire que non, on vient de vendre la République démocratique du Congo. Parce que ce n'est pas possible, monsieur le président de la République. Il y a des preuves tangibles, des preuves démontrant réellement que non, l'Ouganda n'est pas sincère envers la RDC. Comment continuer encore avec l'Ouganda? Comment continuer avec avec Museveni? Ce n'est pas possible ça, monsieur le président de la République. Êtes-vous d'accord de voir le pays partir entre les mains des étrangers? Non. Avec votre détermination, monsieur le président, il faut au cas ta coopération dans tout Tosa Nayango. Na minute yo, le Tosa lundi, bon début de semaine na Bandekounia surtout, ba hélico de chasse, ba hélico militaire, eza na Ituri, plus de 6 hélico militaires. Où est-ce qu'il y a Ituri?
Oh ouais, puis toujours lancé attaque moko ya makasi contre le Rwanda et puis tout le terroriste seigneur tout ougandaise. Oui. Parce que comme vous le savez, ils ont essayé à tout prix à quoi badani ni ko terroriser population na biso place au wapi biso peut le bino tu ko tika bango bongote. On les a attaqués. Nakati attaque ou affrontement, on a tout ça qui a makasi. On a pu arrêter 39 rebelles ougandaises. Place au wapi ba opéra kana est de la République. Ils ont été auditionnés. Balobi qui ont besoin de contact direct avec Paul Kagame. Donc, Moutou a pris sa rabango d'instruction. Makambonyo, ensuite, c'est Paul Kagame. Net aux ongi moi, Simana Lobi Boué. C'était Bitakwira, Bitakwira. Justin Bitakwira. Justin Bitakwira, y a l'obakini. Justin Bitakwira, l'obaki, que non, le pré, Paul Kagame. Et plutôt, Justin Bitakwira, l'obaki, M23, AFC, RDF, IPDF, KDF. Bazalarana contact direct avec les M, avec Paul Kagame. Il avait raison. Aujourd'hui, on a trouvé la preuve. Les 39 rebelles ougandaises, balobi vérité, balobi, mais instruction tozoaka directement et où t'as pas ya Kagame. Donc Kagame sera lobi la biso que non, bo salabu, ngana bo sala. Parce que on est sous ordre de Paul Kagame. Yango moni toute coopération avec Osalama na Luanda. Tozo sola na Luanda, mais de ce côté à l'est de la République, les M23 bazo ko se renforcer. Yango moni toloba ki que non, guerre ya est de la République. Ils ont guerre, moko. Oh, ouais, ils ont 5 ans, ma solaté. Ils ont 5 ans, tout bête, t'en as des mandouki. Ceux qui t'ont bête, ni mandouki, n'est au commun, à quel autre, ah, vraiment, ma cambe baby. Oui, ma cambe baby. On n'a pas besoin de négocier. On ne négocie pas avec un terroriste. Mais voyons, on ne négocie pas avec un terroriste. Vous allez négocier quoi? Dis-moi un peu, vous allez négocier quoi avec un terroriste? Parce que terroriste, souci n'est pas ni azo et loco yoza na yango. Parce que ceux qui veulent négocier, beaucoup solo la nini. C'est ça aussi ma question. C'est aussi la question Bitakwira posa qui. Alors, solo la nana terroriste, terroriste ko solo la nini. Parce que yaza na bozi, ala na bosenga et minéré congolais. Parce que yo ko ebi se nini. Ketika ko boma, na ko pesa yo lipa, a ko zoate. Na repense au mbon a ko zoate mbon a ko itiza ngo lelo lobi sili mais minéra ebi kana avec le minéra na ko sala ba bloko moko ba invention moko boya ba invention ya futur. On ne négocie pas avec un terroriste, c'est clair. Place wana, je pense que l'armée congolaise il faut a bongisa. Alors bande konanga, pour terminer cette émission, na page ya ba M23 ba publié ba lobi boy. Selon une femme de case, ce n'est pas la constitution qui vous empêche d'acheter des avions pour Congo Airways. Ce n'est pas non plus la constitution qui vous empêche de récupérer les territoires occupés. Nous sommes tellement en colère. S'il vous plaît, ne nous poussez pas à gifler quelqu'un. Voilà ba M23. Allez ba yesikoyo ba brandir image oyoyo. Babrandi image wana article 64. Article 64 est l'Igo Lobanin. Il y a constitution, hein? Article 64 est le viboué. Tout Congolais a les pouvoirs, et plutôt tout Congolais a les devoirs de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution. Awa balobi moto nyon sotou. Congolais nyon sotou azana devoir. Yako faire échouer se. Individu makoto ba individu ebele. O bazo o azo zwa pouvoir na makasi. Batolokola ba kabila. Eza tiseke dite. Nenge mawana biso, il faut te faire échouer ce Kabila plan à y'a l'ingas pouvoir dans ma classe. Oui,
Les M23 ba imposer ba te yango pour na bango ba te li tiseke di non biso ezali article yo na mona relobela ka beaucoup plus Kabila nda zo luka zo na pouvoir eh parce que Kabila ole pesa biso au revoir a pesa biso à bientôt na kozonga o kozonga wa posali déjà des mandats yango moni balobi awa moto nyaso linga zo pouvoir na makasi. Il faut qu'on fasse échouer. Et ça, c'est ce que je veux dire, de père et de mère. Tous les esprits, il y a un côté échec et pas à Kabila. Parce que Kabila Lingi, à côté de sa mission, un plan stratégique, il y a un faire renverser le pouvoir de Tshisekedi. Kabila est un Rwandais. Kabila n'est pas Congolais de père et de mère. Nous, le vrai Congolais de père et de mère, il faut tout ça, l'échec contre Kabila. Parce que tout Congolais a les devoirs. Balobi tout Rwandais, balobi tout individu, mais balobi tout Congolais. Tout Congolais. Kabila n'est pas Congolais. Shadari est un Tanzanien. Babisko biso ba Congolais. Tout faire échouer, c'est Kabila plan ya kouye balako renverser pouvoir. Mais évitez ce qui beaucoup comprendre. L'article 64, ce n'est pas un article où ils ont visé Tshisekedi, mais ils ont visé de Kabila où ils ont l'ingat son pouvoir dans ma casse. Vice versa, pour vous comprendre. Merci Boulanda Kibiso de partout, très chers abonnés. Mote na mama, la présidente Pauline Lumumba, et puis na ma membre nous sur RDC Monde, et puis bande connus sur Actualité 26 TV, tout PCB nous mote. Bon, continuez à s'abonner, bon, partager, bon, liker, et que ça la biso vraiment trop bien. Nzambe abate la bino, Nzambe azana bino, tokutani mbalasima.